Voici les mouvements que nous allons apprendre dans ce cours. Le faisant doré sur une patte est une position debout sur une jambe. Les mains montent en même temps que le genou et on ouvre l'éventail. Il faut bien coordonner l'ensemble du mouvement. Faisons-le ensemble. À partir du mouvement précédent, éventail dans la main droite, on le monte, on le descend, on décrit une courbe devant, la main gauche suit du haut vers le bas et décrit une courbe devant. Les mains se réunissent et on ouvre l'éventail. En même temps, on coordonne avec les jambes. On avance en position sur une jambe. Faisons-le ensemble. Pendant l'exécution, la montée du genou et l'ouverture de l'éventail sont simultanées. Ce mouvement sur un pied exige la stabilité du jeu de jambes. Allez-y avec moi, le faisant doré sur une patte. Le dragon remue la queue indique principalement le tournoiement de l'éventail de haut en bas, dont le mouvement principal est l'éventail nuage. On synchronise avec le pas croisé, allons-y ensemble. Après avoir posé le pied, on se prépare. Les mains sont à gauche. On part de gauche à droite avec un mouvement de l'éventail nuage sur place. Dans l'éventail nuage, c'est surtout le poignet qui tourne. On fait une rotation complète de l'éventail, puis on ramène de la droite vers la gauche. Maintenant, on rajoute le pas croisé, à finir en même temps que l'éventail nuage. Pas croisé et l'éventail nuage. Encore trois fois en tout. Enfin, on ferme l'éventail à droite, vertical, main gauche sur le poignet de la main droite. On fait une fois ce mouvement. À partir de le faisant doré sur une patte, on pose le pied à droite, puis pas croisé avec l'éventail nuage. Ensuite, un pas, deux pas, trois pas. Trois pas croisés en tout, puis on décroise, on ferme l'éventail à droite, à côté de la taille. Allez-y avec moi, le dragon remue la queue. Le faisant doré bas des ailes est un mouvement de sortie de force dans lequel on imite l'animal. Voyons ce mouvement ensemble. On se prépare à partir du mouvement précédent, puis on sort la force. On refait. Lors de l'exécution, on est détendu et comme un élastique. On emmagasine la force, puis on la sort. Allez-y avec moi, le faisant doré bas des ailes. Quels sont les avantages de la pratique du Kung Fu de l'éventail? Au niveau physique, elle permet de sculpter le corps. Au niveau physiologique, grâce à la variété des mouvements et des changements, des mouvements de coordination des mains, du tronc, des pieds et des articulations, des mouvements asymétriques et des changements rapides de rythme, elle renforce la fluidité et la coordination. Pour les pratiquants du Wushu, approfondir aussi la culture permet d'accéder à un niveau plus élevé. Si on veut bien pratiquer le Kung Fu de l'éventail, on doit étudier et expérimenter la théorie du Taiji qui est derrière. La cérémonie du thé est aussi un moyen d'expression de la philosophie du Taiji.
L'art du thé et le kung-fu de l'éventail permettent d'évacuer la pression et de nourrir l'esprit. Tous deux ont une alternance lent-rapide et une grâce dans les mouvements. Maintenant, pratiquons les mouvements appris dans ce cours. Le faisan doré sur une patte se fait sur une jambe. Le mouvement doit être bien stable. Donc, la tête doit être droite, le qi doit descendre et les doigts de pied agrippent le sol. Faisons-le ensemble. De plus, la position sur une jambe doit être coordonnée avec l'ouverture de l'éventail. On refait une fois. À partir du mouvement précédent, la main droite, avec l'éventail, décrit une courbe vers le haut. La main gauche décrit une courbe de bas en haut, puis les mains se rejoignent et on ouvre l'éventail. L'ouverture de l'éventail doit être sèche et bruyante. Ce mouvement se fait sur une jambe, celle-ci doit être stable. Pratiquons ensemble le faisan doré sur une patte. Point clé 2, le dragon remue la queue. Ce mouvement nécessite la coordination entre l'éventail et les pas. On peut le pratiquer séparément. D'abord les mains, puis les jambes. Faites d'abord les mouvements des mains avec moi. Le mouvement des mains se fait de gauche à droite, en éventail nuage. On doit répéter ce mouvement jusqu'à sa maîtrise. Ensuite, on passe aux jambes. C'est surtout un exercice de déplacement. Après avoir posé le pied, on croise le pas, puis on pose le pied derrière. On recroise le pas, et ainsi de suite, trois fois en tout. Maintenant, on synchronise le haut et le bas. Quand on fait l'éventail nuage, on croise le pas, puis on ramène l'éventail en décroisant le pas. Encore l'éventail nuage et pas croisé. On ramène l'éventail, puis l'éventail nuage et pas croisé. Enfin, on décroise le pas et on ferme l'éventail à droite. Durant l'exécution, on doit bien coordonner le mouvement d'éventail nuage avec le pas croisé. Pratiquons ensemble, le dragon remue la queue. Voyons les points clés de le faisan doré bas des ailes. Ce mouvement permet de s'entraîner à sortir la force. Lors de la sortie de la force, on doit l'emmagasiner puis la sortir. Allons-y ensemble. D'abord, on emmagasine l'énergie, puis on sort la force et on relâche immédiatement, ce qui permet la secousse. On refait une fois. La sortie de force donne au mouvement un aspect mélangé de dureté et de douceur. Pratiquez avec moi le faisan doré bas des ailes. Maintenant, on enchaîne les mouvements. Au
Aujourd'hui, je vous présente un célèbre éventail chinois, l'éventail de Santal. Il s'agit d'un éventail pliable, fait avec du bois de Santal, bois dur, léger et naturellement parfumé. Son art de fabrication est méticuleux et compte plus de 10 étapes. Toutes sortes de finitions et de techniques combinées lui donnent une forte valeur et en font un objet de collection. Une feuille de l'éventail de Santal est faite à la main, en tirant, chauffant, dessinant, sculptant, etc. Les thèmes abordés sont souvent les fleurs, les oiseaux et les femmes. Leurs formes et structures sont habiles, raffinées et délicates. C'est un objet de beauté qui convient bien aux femmes. L'été, on le met dans les armoires afin d'éloigner les insectes. La séance se termine. Veuillez regarder la deuxième partie de la forme du kung-fu de l'éventail du style Kaiyuan et n'oubliez pas de pratiquer. On se revoit au prochain cours.